marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé, jour 29. Pour la liberté de la vérité. La vérité, c'est un glaçon que certains essaient de noyer dans une eau impure. Elle finit toujours par remonter, flotter en surface, rester visible. Mais seulement aussi longtemps que le peuple observe, que le peuple écoute, que le peuple réagit pour la faire sortir de cette eau boueuse. Si l'on reste aveugle, si l'on reste sourd, si l'on reste muet face à ce qu'on observe, alors avec le temps, le glaçon finira par se dissoudre dans l'eau boueuse et disparaître à jamais. C'est ce que sont en train de faire les bourreaux de Dame Stéphanie Njomo. Elle est le glaçon, ce glaçon de vérité que les flammes essaient de faire évaporer. Combien de glaçons comme elle ont hélas disparu sous nos yeux? Combien de temps encore faudra-t-il que nous restions immobiles à observer s'évaporer la vérité, à observer fondre l'iceberg de la justice? Je vous pose la question, je te pose la question à toi qui regarde. Combien de temps faudra-t-il que tu restes immobile sans réagir? Je te laisse à tes méditations. Je te laisse à ta réflexion.